Le petit livre bleu de Connie Mendez. Attention. Chaque livre métaphysique doit être lu à plusieurs reprises. Chaque fois que vous relisez, vous le comprenez mieux. Maintenant, seul ce qui est pratiqué reste avec nous. Ce qui est seulement lu et non utilisé disparaît. Introduction. Ce petit livre est écrit dans ce que cet auteur appelle Moasu c'est-à-dire dans les termes les plus simples pour qu'il soit compréhensible pour celui qui a besoin de connaître la vérité de Dieu et qui n'a pas la connaissance pour digérer les textes de psychologie et de métaphysique tels qu'ils sont écrits en espagnol. Chaque fois que nous entendons ou lisons quelque chose de nouveau, inconnu pour nous, des cellules endormies dans notre cerveau se réveillent. La deuxième fois que nous rencontrons cette nouvelle idée, nous la comprenons un peu mieux. Les cellules activées commencent à travailler sur l'idée, et bientôt la lumière se fait dans notre esprit, c'est à dire que nous acceptons l'idée, nous l'adoptons et la mettons en pratique automatiquement. C'est ainsi que nous nous éveillons, nous apprenons, nous évoluons et nous progressons. Il n'est pas nécessaire de faire d'efforts surhumains pour que les choses pénètrent dans notre tête. C'est un processus naturel, Cependant, nous devons faire preuve de bonne volonté en relisant, en relisant encore et en relisant jusqu'à ce que nous ressentions que ce que nous avons appris est automatique. C'est tout. Emmène avec toi, dans ton portefeuille ou dans ta poche, un exemplaire de ce petit livre. Place en un autre sur ta table de nuit. Relis les souvent, surtout chaque fois qu'un problème se présente. Chaque fois que tu es confronté à une situation angoissante ou ennuyeuse, peu importe laquelle. Quelque chose d'incroyable va t'arriver. Le livre s'ouvrira à la page que tu dois consulter et tu penseras. Il semble que cela ait été écrit pour moi. Jésus Christ a dit. Dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. La métaphysique est l'une de ces demeures, c'est-à-dire l'étude des lois mentales spirituelles. Elle ne touche pas au spiritisme, bien que ce dernier soit également une demeure dans la maison du Père. Que ce petit ouvrage t'apporte toute la paix et la prospérité qu'il a apporté à tant d'autres. Chapitre 1 Christianisme dynamique. Avant de se lancer dans n'importe quel métier, le candidat à sa pratique reçoit des instructions ou étudie sa technique. Cependant, il y en a un qui entreprend sa mission totalement à l'aveuglette, sans instruction, sans technique, sans boussole, sans compas ou encore sans plan, sans idée de ce qu'il va rencontrer. C'est l'être humain qui est jeté dans la tâche de vivre, sans même savoir ce qu'est la vie, sans savoir pourquoi certaines vies se déroulent dans l'opulence et la satisfaction, tandis que d'autres se passent dans la misère et la souffrance. Certaines commencent avec tous les avantages que l'affection peut imaginer, et pourtant, elles sont poursuivies par une série de calamités. Et l'être humain se débat dans des conjectures, toutes fausses et arrive au jour de sa mort sans avoir même deviné la vérité à ce sujet. Apprends la grande vérité. Ce que tu penses se manifeste. Les pensées sont des choses. C'est ton attitude qui détermine tout ce qui t'arrive. Ta propre conception est ce que tu vois, non seulement dans ton corps et dans ton caractère, mais à l'extérieur, dans tes conditions de vie, matériellement, oui, comme tu l'entends. Les pensées sont des choses. Maintenant tu vas voir. Si tu as l'habitude de penser que tu es d'une constitution saine, quoi que tu fasses, tu seras toujours en bonne santé. Mais si tu changes ta manière de penser, si tu laisses la peur des maladies s'installer en toi et que tu commences à tomber malade. Tu perds la santé. Si tu es né dans la richesse, il est possible que tu restes toujours riche, à moins que quelqu'un te persuade que le destin existe et que tu commences à croire que le tien peut changer, en fonction des vicissitudes, parce que tu le crois ainsi. Ta vie, ce qui t'arrive, obéit à tes croyances et à ce que tu exprimes en mots. C'est une loi, un principe. Tu sais ce qu'est un principe? C'est une loi invariable qui ne faillit jamais. Cette loi s'appelle le principe de la mentalité. Si dans ton esprit est enracinée l'idée que les accidents nous guettent à chaque pas, si tu crois que les maux de vieillesse sont inévitables, si tu es convaincu de ta bonne ou mauvaise chance, tout ce que tu attends normalement, en bien ou en mal, c'est la condition que tu verras se manifester dans ta vie et dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi cela t'arrive. On n'est jamais conscient des idées qui remplissent notre esprit elles se forment selon ce que l'on nous enseigne, ou ce que l'on entend dire. Comme presque tout le monde ignore les lois qui gouvernent la vie, des lois appelées de la création, nous passons presque tous notre vie à créer des conditions contraires, à voir ce qui semblait si bon devenir mauvais, à tâtonner, pour ainsi dire, à l'aveuglette, sans boussole, sans gouvernail ni compas, à attribuer nos mots à la vie elle-même et à apprendre en tombant, ou à les attribuer à la volonté de Dieu. Avec ce que tu as lu jusqu'à présent, tu te rendras compte que l'être humain n'est pas ce qu'on lui fait croire, c'est-à-dire un bouchon au milieu d'une tempête, ballotté ici et là par les vagues. Pas du tout. Sa vie, son monde, ses circonstances, tout ce qu'il est, tout ce qui lui arrive sont ses propres créations et de personne d'autre. Il est le roi de son empire, et si son opinion est précisément qu'il n'est qu'un bouchon au milieu de la tempête, alors ainsi soit-il. Il l'a cru et permis. Naître avec le libre arbitre signifie avoir été créé avec le droit individuel de choisir. Choisir quoi? De penser négativement ou positivement, pessimiste ou optimiste, en pensant à la laideur et au mal qui produit la laideur et le mal, ou en pensant au bien et au beau qui produit le bien et le beau à l'extérieur ou à l'intérieur. La métaphysique a toujours enseigné que ce que nous pensons souvent passe dans le subconscient et s'y établit en agissant comme un reflet. La psychologie moderne, enfin, l'a découvert. Lorsque l'être humain se trouve plongé dans les effets de son ignorance, c'est-à-dire qu'il a lui-même provoqué une calamité, il se tourne vers Dieu et le supplie de le libérer de la souffrance. L'homme voit que Dieu lui répond parfois et que parfois, inexplicablement, il ne répond pas. Dans ce dernier cas, c'est lorsque ses proches le consolent en lui disant qu'il faut accepter la volonté de Dieu c'est-à-dire que tous supposent que la volonté du Créateur est mauvaise mais en même temps la religion enseigne que Dieu est notre Père, un Père tout amour, bonté, miséricorde, sagesse et éternel. Observes tu comment ces deux théories ne concordent pas? Te semble t-il sensé qu'un Père tout amour et infiniment sage puisse ressentir et exprimer de la malveillance envers ses enfants, nous, parents mortels, ne serions jamais capables d'attribuer à aucun enfant les crimes que nous attribuons à Dieu. Nous ne serions pas capables de condamner éternellement une de nos créatures pour une faute naturelle de sa condition mortelle, tandis que nous considérons que Dieu en est capable. En d'autres termes, sans que nous en soyons clairement conscients, nous attribuons à Dieu une nature de magna capricieux, vengeur, rempli de malveillance, guettant notre moindre infraction pour nous infliger des châtiments totalement disproportionnés. Il est naturel de penser ainsi quand nous naissons, vivons en ignorant les règles et les lois fondamentales de la vie. Nous avons déjà prononcé la raison de nos calamités nous les produisons par la pensée c'est en cela que nous sommes à l'image et à la ressemblance du Créateur. Nous sommes des Créateurs. Chacun est Créateur de sa propre Manifestation. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu semble parfois écouter et parfois non? La prière est la pensée la plus pure et la plus élevée que l'on puisse avoir. C'est polariser l'esprit au degré le plus positif. Ce sont des vibrations de lumière que nous émettons lorsque nous prions, c'est-à-dire lorsque nous pensons à Dieu. Ces vibrations doivent instantanément transformer en parfait et en beau toutes les conditions sombres qui nous entourent, comme lorsque l'on apporte une lampe dans une pièce plongée dans l'obscurité. Chaque fois que celui qui prie pense et croit que ce Dieu à qui il demande est un Père aimant qui désire offrir tout ce qui est bon à son enfant. Dans ce cas, Dieu écoute toujours. Mais comment, généralement, l'humanité a t-elle l'habitude de demander ainsi? Ô oh Dieu, aide-moi dans cette détresse, même si je sais que tu penseras que cela ne me convient pas, car tu veux me soumettre à cette épreuve. En d'autres termes, il a déjà nié toute possibilité de le recevoir. Il a plus foi en ce Dieu qu'on lui a enseigné, le capricieux, vengeur, rempli de malveillance, guettant notre moindre infraction pour nous infliger des châtiments d'une cruauté satanique car celui qui demande ainsi ne reçoit que selon son propre reflet de Dieu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, n'oublie jamais que la volonté de Dieu pour toi est le bien, la santé, la paix, le bonheur, le bien-être, tout ce qui est bon qu'il a créé. N'oublie jamais que Dieu n'est ni le juge, ni le policier, ni le bourreau, ni le tyran que l'on t'a fait croire. La vérité est qu'il a créé cette loi. Cet principe qui fonctionne en tout et toujours. Il ne se repose pas une seule minute il veille à maintenir l'ordre et l'harmonie dans toute la création. Il n'y a pas besoin de policier dans l'esprit. Celui qui ne suit pas la loi se punit lui même. Ce que tu penses se manifeste donc apprends à penser correctement et avec la loi pour que se manifeste tout le bien que Dieu veut pour toi. Saint Paul a dit que Dieu est plus proche de nous que nos pieds et nos mains, plus encore que notre respiration. Donc il ne faut pas lui crier pour qu'il nous entende. Il suffit de penser à lui pour que commence déjà à se réparer ce qui semble être décomposé. Il nous a créés, il nous connaît mieux que nous mêmes, il sait pourquoi nous agissons de telle ou telle manière, et il n'attend pas que nous nous comportions comme des saints alors que nous apprenons à marcher dans cette vie spirituelle. Je vais te demander de ne pas croire tout ce que je te dis sans d'abord le vérifier. C'est ton droit divin et souverain. Ne fais pas comme jusqu'à présent, accepter tout ce que tu entends et tout ce que tu vois sans te donner la chance de juger entre le bien et le mal. Chapitre 2, la mécanique de la pensée. Toute la journée et toute la nuit, nous pensons à une multitude de choses différentes une sorte de film cinématographique constant passe dans notre esprit, bien que déconnecté. Parmi tant d'idées différentes, nous nous arrêtons pour contempler, examiner ou étudier certaines plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles ont stimulé nos sentiments. Elles ont provoqué en nous un sentiment de peur ou d'antipathie, de sympathie ou de compassion, un sentiment de plaisir ou de déplaisir, peu importe. Le fait est que, à travers ce sentiment, l'idée nous intéresse. Nous la revisitons plus tard, peut-être nous la commentons-nous avec quelqu'un. C'est ce qu'on appelle méditer. Et ce qui est ainsi médité passe dans le subconscient et y est gravé. Une fois qu'une idée est gravée dans le subconscient, elle devient un reflet. Tu sais que lorsque le médecin te tape légèrement avec un objet autour du genou, ta jambe saute. On a touché un point sensible et tu as réagi, n'est-ce pas? De la même manière, chaque fois qu'il se produit dans ta vie quelque chose en lien avec l'une des idées qui sont gravées dans ton subconscient, le reflet réagit de la même manière qu'il a été enregistré. Tu adoptes une attitude conforme au sentiment original que tu as ressenti lorsque tu as d'abord pensé à cette idée. Les métaphysiciens appellent cela un concept c'est-à-dire une croyance ou une conviction. Le subconscient ne discerne pas, il ne décide rien, n'exprime pas d'opinion et ne pense pas par lui même. Il n'a pas le pouvoir de protester, il n'a pas de volonté propre. Ce ne sont pas ses fonctions. La seule fonction est de réagir en mettant à disposition le reflet qui lui a été donné il est, en ce sens, un merveilleux archiviste, secrétaire, bibliothécaire automatique qui ne se repose jamais et ne faillit jamais. Il n'a pas non plus de sens de l'humour il ne sait pas quand un ordre a été donné en plaisantant ou sérieusement. Ainsi, si ton nez est un peu proéminent, et si pour faire rire les autres tu adoptes la plaisanterie de l'appeler mon nez de pomme de terre, par exemple, comme le subconscient est un serviteur exact, sans le sens de l'humour, et ne sachant qu'obéir inconditionnellement, il s'efforcera par tous les moyens d'exécuter l'ordre que tes mots et tes sentiments lui ont donné, et tu verras ton nez devenir de plus en plus semblable à une pomme de terre. Le mot métaphysique signifie au delà du physique, c'est-à-dire la science qui étudie et traite tout ce qui est invisible au sens physique. Elle explique tout ce que nous ne comprenons pas, tout ce qui est mystérieux. Et elle est exacte, comme tu le constateras en lisant ce petit livre. Maintenant, vois tu, te souviens tu de la première fois que tu as entendu mentionner le mot rhume? Tu ne t'en souviens pas, n'est-ce pas? Tu étais très jeune, les adultes ont prononcé le mot, ils t'ont appris à le craindre. À force de le répéter, ils t'ont appris à le comprendre. Ils t'ont dit de ne pas mouiller tes pieds, de ne pas rester dans un courant d'air, de ne pas t'approcher de quelqu'un parce qu'il avait un rhume, et que tu pourrais l'attraper, etc., etc. Tout cela s'est gravé dans ton subconscient et a formé un reflet. Tu n'as jamais eu à te souvenir des avertissements des adultes, le mal était fait. Dès lors, ton subconscient t'a donné un rhume, le meilleur qu'il puisse t'offrir, chaque fois que tu te mettais dans un courant d'air. Chaque fois que tes pieds étaient mouillés, chaque fois que tu t'approchais de quelqu'un enrhumé, et chaque fois que tu entendais dire qu'il y avait une épidémie de grippe ou de rhume dans les environs. À cause des adultes, à cause de ce que tu as entendu dire par les autres, à cause de ce que tu as lu dans les journaux et dans les annonces, à la radio et à la télévision, et surtout parce que tu ignores la vérité métaphysique de la vie, tu as accepté ces idées erronées et elles sont devenues des réflexes agissants sans que tu y aies préalablement réfléchi, automatiquement, et sont la cause de tous les maux qui te tourmentent dans le tableau de la vie. Tu as une charge volumineuse d'idées étrangères qui affectent tous les domaines de ta vie, ton corps, ton âme et ton esprit. Remarque que si tu ne les avais pas acceptées, si en vertu du libre arbitre qui t'est donné de choisir, d'accepter et de rejeter, tu n'avais pas accepté le négatif, il n'y aurait eu aucun germe, virus ou pouvoir au monde qui aurait pu attaquer ou convaincre ton subconscient d'agir autrement que comme tu lui as prescrit. Ta volonté, qu'elle soit négative ou positive, est l'aimant qui attire vers toi les germes, les circonstances adverses ou les bonnes. Comme nous l'avons déjà dit, ton attitude négative ou positive face aux événements détermine les effets pour toi. Chapitre 3 La formule infaillible. Nous sommes convenus que chaque esprit humain contient une accumulation d'opinions, de convictions ou de concepts erronés, contraires à la vérité et en conflit avec les principes fondamentaux de la création, et qui se manifestent perpétuellement dans les conditions extérieures, toutes ces calamités et souffrances qui affligent l'être humain et le monde en général. Maladies, accidents, affliction, litige, pénurie, échec et même la mort. Heureusement rien de tout cela ne correspond à la vérité de l'être. Heureusement il existe un moyen d'effacer toutes ces croyances fausses et de les remplacer par des correctes, qui non seulement produisent des conditions et des circonstances positives, bonnes, heureuses, correctes, mais qui, une fois l'erreur corrigée, et la vérité établie dans le subconscient ne pourront plus jamais se reproduire les choses négatives dans nos vies. L'ordre a été changé. L'aimant a changé de pôle. Il est absolument impossible d'attirer quelque chose qui ne trouve pas déjà sa correspondance en nous. La formule infaillible est la suivante Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de désagréable, que tu tombes malade, que tu aies un accident, qu'on te vole, qu'on t'offense, qu'on te dérange, ou que tu sois la cause de quelque mal envers un autre ou envers toi même, si tu es affligé d'un défaut physique, moral ou de caractère, si quelqu'un te déplaît, si tu le détestes, ou si tu aimes trop et que tu souffres de cela, si les jalousies te tourmentent, si tu tombes amoureux de quelqu'un qui appartient à un autre, si tu es victime d'une injustice ou si tu es victime de la domination d'un autre, et la liste est interminable. Donc remplace la condition qui t'affecte. À ce moment là, connais la vérité. Ainsi Jésus Christ, le plus grand de tous les maîtres de métaphysique, a dit. Connaissez la vérité et elle vous rendra libre. La vérité, la loi suprême, est la parfaite harmonie, la beauté, la bonté, la justice, la liberté, la santé, la vie, l'intelligence, la sagesse, l'amour, le bonheur. Tout ce qui est opposé est apparence. C'est contraire à la loi suprême de la parfaite harmonie, donc c'est un mensonge car c'est contraire à la vérité. Ton moi supérieur est parfait en ce moment et il a toujours été parfait. Il ne peut pas tomber malade parce qu'il est cinq vies. Il ne peut pas mourir pour la même raison. Il ne peut pas vieillir, il ne peut pas souffrir, il ne peut pas craindre, il ne peut pas pécher. Il n'a pas à lutter, il ne peut jamais changer, il est beau, il est amour, intelligence, sagesse, bonheur. C'est la vérité, c'est ta vérité, la mienne, celle de tous les êtres humains en ce moment même. Ce n'est pas que l'être humain soit Dieu, tout comme une goutte d'eau de la mer n'est pas la mer, mais elle contient tout ce qui forme et contient la mer à un degré infinitésimal. Et pour un atome, cette goutte d'eau est une mer. Tout ce que tu manifestes, tout ce qui t'arrive de contraire à la parfaite harmonie, ou que toi-même tu fais ou subis de contraire à la parfaite harmonie, est dû à une croyance erronée que tu as créée, et que par réflexe tu projettes vers l'extérieur et attires son équivalent de l'extérieur. Cela n'a rien à voir avec ton moi supérieur. Celui-ci reste parfait. Ses conditions et sa situation sont parfaites. Maintenant, dans chacune des circonstances énumérées ci dessus, tu dois te rappeler ce que je viens de te dire d'abord, puis dire mentalement ou à voix haute comme tu veux. Et je cite. Je n'accepte pas cela. Dis le fermement, mais avec une infinie douceur. Le travail mental n'a pas besoin de force physique. Ni la pensée ni l'esprit n'ont de muscles. Quand tu dis Je n'accepte pas cela, fais le comme si tu disais Je n'en ai pas envie tranquillement, mais avec la même conviction et fermeté, sans crier, sans violence, sans mouvement, sans brusquerie. Est ce que je me fais comprendre? Après avoir dit je n'accepte pas cela, rappelle toi que ton moi supérieur est parfait, que ses conditions sont parfaites. Après, dit Je déclare que la vérité de ce problème est harmonie, amour, intelligence, justice, abondance, vie, santé, etc. Quoi que soit l'opposé de la condition négative que se manifeste à ce moment. Merci Père de m'avoir entendu. Tu n'as pas à croire aveuglément ce que tu lis. Tu dois le vérifier par toi-même. En langage métaphysique, cela s'appelle un traitement. Après tout traitement, il faut conserver l'attitude qui a été déclarée. On ne peut pas se permettre de douter de l'efficacité du traitement, ni réexprimer en mots les concepts, opinions et croyances précédents, car cela détruit, annule le traitement. Le but est de transformer le schéma mental qui a dominé dans le subconscient, c'est-à-dire le climat mental dans lequel tu as vécu avec toute ta série de circonstances négatives. Saint Paul a dit Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ce renouvellement se fait en changeant chaque croyance ancienne au fur et à mesure qu'elle se présente dans notre vie, ou notre conscience en désaccord avec la vérité. Il y a des convictions si profondément enracinées qu'elles sont ce que l'on appelle en langage métaphysique des cristallisations. Celles ci nécessitent plus de travail que d'autres mais chaque négation ou affirmation faite Concernant ces cristallisations, efface le dessin original jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement et qu'il ne reste que la vérité. Tu verras les miracles qui se produisent dans ta vie, dans ton environnement et dans tes conditions. Tu n'as pas de défauts, mais des apparences de défauts. Ce que tu vois comme des défauts moraux ou physiques est transitoire parce que, en connaissant la vérité, ton vrai moi, ton Christ, ton être supérieur, est un parfait Fils de Dieu, fait à l'image du Père, les imperfections que tu présentes au monde commencent à disparaître. C'est un fait vérifiable. Tout étudiant de la métaphysique chrétienne peut confirmer ce que je viens de te dire. Voici la grande vérité, ne l'oublie jamais. Commence dès maintenant à la pratiquer. Plus on la pratique, plus elle se réalise, plus on avance et plus on se sent heureux. Souviens toi tu es unique comme tes empreintes digitales. Tu as été créé selon un design unique, pour un but spécial que personne d'autre que toi ne peut accomplir. Il t'a fallu quatorze mille ans pour évoluer jusqu'à ta place d'aujourd'hui. Les expressions de Dieu sont infinies. Toi et moi ne sommes que deux de ces expressions infinies. Ton Christ est un être intelligent qui t'aime passionnément et qui attend depuis des siècles que tu le reconnaisses. Le moment est venu. Parle lui, consulte-le et attends ses réponses. C'est ton unique guide et maître. Quand tu comprendras, accepteras et réaliseras cette vérité, ce sera la naissance du Christ pour toi. C'est ce qui est prophétisé pour cette ère, c'est le Messie. Ce n'est pas que Jésus renaisse maintenant, c'est que chacun va trouver le Christ dans sa conscience et dans son cœur, comme cela est arrivé à Jésus. C'est pourquoi on l'a appelé Jésus Christ. Chapitre IV Le décret Chaque mot prononcé est un décret qui se manifeste à l'extérieur. Le mot est la pensée parlée. Jésus a dit deux choses qui n'ont pas été prises au sérieux. D'abord, par tes paroles tu seras condamné, et par tes paroles, tu seras justifié. Cela ne signifie pas que les autres nous jugeront pour ce que nous disons, bien que cela soit aussi vrai. Comme tu l'as déjà vu, le Maître enseignait la métaphysique mais la race n'était pas encore assez mûre pour la comprendre. À plusieurs reprises, il a averti en disant qu'il avait encore beaucoup d'autres choses à dire, mais qu'elles ne pourraient pas être comprises. À d'autres occasions, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La deuxième référence qu'il a faite au pouvoir de la parole était. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais ce qui en sort de sa bouche car ce qui sort de la bouche vient du cœur. On ne peut pas être plus clair. Je te propose de faire attention à tout ce que tu décrètes en une seule journée. Nous te le rappellerons. Les affaires vont très mal, les choses vont très mal, la jeunesse est perdue. La circulation est impossible, le service est insupportable. Ne laisse pas ça traîner, car on va te voler. Les voleurs attaquent à tous les coins de rue, j'ai peur de sortir, tu vas te faire écraser par une voiture, tu vas casser ça, j'ai vraiment pas de chance, etc. Mes rhumatismes, ma, ma migraine, mon allergie. C'est un bandit, c'est une malheureuse. Il fallait que ça arrive, comme toujours, etc. Ne sois pas surpris, ni ne te plains si tu le vois se produire lorsque tu l'exprimes. Tu l'as décrété. Tu as donné un ordre qui doit être exécuté. Rappelle-toi et n'oublie jamais. Chaque mot que tu prononces est un décret, positif ou négatif. S'il est positif, il se manifeste en bien. S'il est négatif, il se manifeste en mal. Et s'il est dirigé contre autrui, c'est la même chose que si tu le décrétais contre toi-même. Ça te revient. Si tu es bon et compréhensif envers autrui, tu recevras de la bonté et de la compréhension de la part des autres envers toi. Et quand il t'arrive quelque chose de gênant, de négatif, de désagréable, ne dis pas Mais je n'étais ni en train de penser ni de craindre que cela m'arrive. Aie la sincérité et l'humilité d'essayer, de te rappeler dans quel terme tu as parlé de quelqu'un d'autre. À quel moment un concept très ancien est sorti de, son, de ton cœur qui peut être n'est qu'une coutume sociale comme la plupart de celles mentionnées ci dessus, et que tu n'as réellement pas envie de continuer à utiliser. Comme le sentiment qui accompagne une pensée, et ce qui l'aggrave le plus fermement dans le subconscient, le Maître Jésus, qui n'a jamais utilisé des mots superflus, l'a très bien exprimé en disant Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et cela nous donne la clé indiscutable. Le premier sentiment qu'il nous enseigne est la peur. Nos parents nous l'enseignent d'abord, puis nos maîtres religieux. Quand nous ressentons de la peur, notre cœur bat beaucoup plus vite. La peur est ce qui se cache derrière toutes les phrases négatives que je t'ai citées ci dessus. Saint Paul a dit. Soyons transformés par le renouvellement de notre esprit. Chaque fois que tu te trouves en train de dire une phrase négative, tu sauras quel genre de concept erroné tu as ancré dans ton subconscient tu sauras à quel genre de sentiment il obéit. La peur ou le manque d'amour, coupe le, efface le en le niant comme mensonger, et affirme la vérité, si tu ne veux pas continuer à le manifester à l'extérieur. Après peu de temps de cette pratique, tu remarqueras que ton discours est différent, ta manière de penser est différente. Toi et ta vie seront transformées par le renouvellement de ton esprit. Lorsque tu es en compagnie d'autres personnes, tu te rendras parfaitement compte des concepts qu'elles possèdent, et tu les vérifieras dans tout ce qui leur arrive. Chaque fois que tu entends des conversations négatives, ne confirme rien de ce qu'elles expriment. Pense plutôt je ne l'accepte ni pour moi ni pour elles. Tu n'as pas besoin de leur dire il vaut mieux ne pas divulguer la vérité que tu apprends, non pas parce qu'il faut la cacher, mais parce qu'il y a un axiome occultiste qui dit. Quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Celui qui est prêt à monter en grade est automatiquement attiré vers celui qui peut le faire progresser. Ne force personne à recevoir des leçons sur la vérité, car tu pourrais découvrir que ceux que tu croyais les plus disposés sont ceux qui la rejettent le plus. C'est à cela que Jésus faisait référence lorsqu'il disait Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, ne se retournent et ne vous déchirent. Chapitre 5 La foi déplace-t-elle des montagnes Pourquoi et comment Tout le monde connaît ce dicton et le répète souvent. On le répète comme un perroquet car on ne sait pas vraiment ce que cela signifie, ni pourquoi, ni comment la foi déplace des montagnes. Très peu savent que la peur déplace aussi des montagnes. La peur et la foi sont une même force. La peur est négative et la foi est positive. La peur est la foi dans le mal, c'est-à-dire la conviction que le mal va arriver. La foi est la conviction que ce qui va arriver est bon, ou que cela se terminera bien. La peur et la foi sont les deux faces d'une même médaille. Regarde bien. Tu ne crains jamais qu'il t'arrive quelque chose de bon. Tu ne dis jamais non plus. Tu as foi que le mal va t'arriver. La foi est toujours associée à quelque chose que nous désirons, et je ne crois pas que tu désires le mal pour toi même. Tu le crains, n'est ce pas? Tout ce que tu crains, cela t'arrive. Maintenant, quand cela t'arrive, tu dis généralement avec un air triomphant. Ah. Je le savais, je l'ai pressenti, et tu cours le raconter et le répéter comme pour montrer tes dons de voyant. Et ce qui s'est réellement passé, c'est que tu l'as pensé avec de la peur. Tu l'as pressenti? Bien sûr. Tu l'as pressenti. Tu le dis toi même. Tu sais déjà que tout ce que l'on pense en ressentant en même temps une émotion, c'est ce qui se manifeste ou s'attire. Tu l'as anticipé et attendu. Anticiper et attendre, c'est avoir la foi. Maintenant, remarque que tout ce que tu attends avec foi te vient, t'arrive. Alors, si tu sais que c'est ainsi, qu'est ce qui t'empêche d'utiliser la foi pour tout ce que tu désires, amour, argent, santé, etc. C'est une loi naturelle, c'est une ordonnance divine. Le Christ l'a enseigné avec les mots suivants que tu connais. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Je ne l'ai pas inventé. C'est dans le chapitre 21, verset 22 de Matthieu. Et saint Marc l'exprime encore plus clairement. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Paul le dit de manière sans équivoque. La foi est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce que l'on ne voit pas. Plus haut, je t'ai dit que la foi est la conviction du bien. Maintenant, je te dirai que la conviction vient par la connaissance. Supposons que tu vives dans la province et que tu n'aies jamais été à la capitale. Tu veux aller à la capitale et tu prends le train, la voiture ou l'avion. Tu sais où se trouve la capitale et comment t'y rendre. Un jour, tu te diriges vers la capitale et tu utilises le moyen de transport qui te convient le mieux. Mais en chemin, tu ne crains pas de te détourner vers la Lune, n'est-ce pas? Si tu étais un indigène sauvage, tu pourrais trembler de peur de ne pas savoir du tout ce qui t'arrive mais en étant une personne civilisée, tu avances tranquillement, sachant qu'à telle ou telle heure tu arriveras à la capitale. Qu'est ce qui te donne la foi? La connaissance. L'ignorance des principes de la création est ce qui fait que le monde craint le mal, ne sache pas utiliser la foi, ni même ce qu'elle est. La foi, c'est la conviction, la sécurité. Mais elles doivent être basées sur la connaissance de quelque chose. Tu sais que la capitale existe et tu t'y rends. C'est pourquoi tu sais que tu ne te retrouveras pas sur la Lune. Maintenant, tu sais que lorsque tu désires quelque chose, si tu crains de ne pas l'obtenir, tu ne l'obtiendras pas. Si tu le nies avant de recevoir, comme dans l'exemple donné déjà de la prière que la majorité des humains adressent à Dieu, mon Dieu accorde moi telle chose bien que je sache que tu ne me donneras pas parce que tu penseras que ce n'est pas bon pour moi. Tu ne l'obtiendras pas parce que tu l'as nié d'avance. Tu as confessé que tu ne l'attends pas. Laisse moi te donner la formule métaphysique pour obtenir tout ce que tu désires. C'est une formule, il faut l'appliquer à tout, et teste la par toi même. Ne me crois pas aveuglément. Je désire telle chose dans l'harmonie pour tout le monde et selon la volonté divine, sous la grâce et de manière parfaite. Merci Père de m'avoir déjà entendu. Maintenant, ne doute pas un seul instant. Tu as utilisé la formule magique, tu as respecté toute la loi et tu verras bientôt ta volonté se réaliser. Sois patient. Plus tu attends tranquillement, plus tu verras rapidement le résultat l'impatience, la tension et le fait de se mettre à pousser mentalement détruisent le traitement. Pour que tu saches ce que tu as fait en répétant la formule, je vais t'expliquer le processus en détail. Quand tu dis. Dans l'harmonie pour tout le monde, tu élimines tout danger que ton avantage nuise à autrui, comme il ne te serait pas possible de souhaiter du mal à autrui. En disant selon ta volonté divine, si ce que tu désires est moins que parfait pour toi, tu verras quelque chose de beaucoup mieux se produire que ce à quoi tu t'attendais. Dans ce cas, cela signifie que ce que tu désirais n'était pas suffisant ou ne serait pas aussi bon que tu le pensais, parce que la volonté de Dieu est parfaite. Quand tu dis sous la grâce et de manière parfaite, tu enfermes un merveilleux secret. Mais laisse-moi te donner un exemple de ce qui se passe lorsqu'on ne s'est pas demandé sous la grâce et la perfection. Une dame avait urgemment besoin d'une somme d'argent, et elle la demandée également pour le 15 du mois. Elle avait une foi absolue qu'elle la recevrait, mais son égoïsme et son indifférence ne l'ont pas inspirée à la demander avec considération pour quelqu'un d'autre. Le lendemain, sa fille a eu un accident de voiture et le 15 du mois, elle a reçu la somme exacte qu'elle avait demandée. C'est la compagnie d'assurance qui l'a payée pour l'accident de sa fille. Elle a travaillé contre elle-même la loi. Demander sous la grâce et de manière parfaite signifie travailler avec la loi spirituelle. La loi de Dieu se manifeste toujours sur le plan spirituel. Dans le plan spirituel, tout est parfait, sans obstacle. Sans inconvénient, sans trébuchement ni dommage pour quiconque, sans lutte ni effort, tout doucement, tout avec un grand amour, et c'est notre vérité. C'est la vérité qui, une fois connue, nous rend libres. Merci Père de m'avoir déjà entendu. C'est l'expression la plus élevée de foi que nous puissions avoir. Jésus l'a enseigné et l'a appliqué en absolument tout. Comme tu le verras, tout ce que Jésus a enseigné était métaphysique. Tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin, tu peux le manifester. Le Père a déjà tout prévu, tout donné, mais il faut le demander au fur et à mesure que le besoin se fait sentir. Souviens-toi simplement que tu ne peux pas demander du mal pour un autre, car cela te revient, et tout ce que tu demandes pour toi-même, tu dois aussi le demander pour toute l'humanité, car nous sommes tous les enfants du même Père. Par exemple, demande grandement le père est très riche et n'aime pas la mesquinerie ne dis pas ô oh, père dieu donne-moi une petite maison je demande juste une petite maison même si elle est petite alors qu'en réalité tu as besoin d'une grande maison car ta famille est nombreuse tu ne recevras que ce que tu demandes à la place demande ainsi père donne-moi à moi et à toute l'humanité toutes les merveilles de ton royaume et maintenant fais ta liste. Pour renforcer ta foi, fais une liste des choses que tu désires ou dont tu as besoin. Énumère les objets ou les choses. À côté de cette liste, fais en une autre énumérant les choses que tu veux voir disparaître, que ce soit en toi ou à l'extérieur. Sur le même papier, écris la formule que je t'ai déjà donnée plus haut. Maintenant, lis ton papier tous les soirs ne laisse pas la moindre trace de doute s'installer Remercie à nouveau à chaque fois que tu penses à ce que tu as écrit. Au fur et à mesure que tu vois les choses se réaliser, parle de ta liste. Et à la fin, quand tu les vois toutes réalisées, ne sois pas si ingrat au point de penser Peut-être qu'elles m'auraient été données de toute façon, car c'est faux. Elles t'ont été données parce que tu les as demandées correctement. L'extérieur s'est ajusté pour te les laisser passer comme tu es déjà très habitué à ressentir la peur pour diverses raisons, chaque fois que tu te sens attaqué par la peur, répète la formule suivante qui effacera le reflet que tu as gravé dans ton subconscient. Je n'ai pas peur, je ne veux pas de la peur. Dieu est amour et dans toute la création il n'y a rien à craindre. J'ai la foi, je veux ressentir la foi. Un grand maître disait. La seule chose à craindre, c'est la peur. Tu dois répéter la formule même si tu trembles de terreur, à ce moment-là d'autant plus. Seul le désir de ne pas avoir peur et le désir d'avoir la foi suffisent à annuler tous les effets de la peur et à nous placer sur le pôle positif de la foi. Je suppose que tu connais déjà le principe psychologique qui dit que lorsqu'on efface une habitude, il faut la remplacer par une autre. Chaque fois que l'on nie ou rejette une idée cristallisée dans le subconscient, celle ci s'efface un peu. Le petit vide ainsi créé doit être immédiatement rempli par une idée contraire. Sinon, le vide attirera des idées de même nature qui sont toujours suspendues dans l'atmosphère, pensées par d'autres. Peu à peu, tu verras que tes peurs disparaissent, si tu as la volonté d'être constant en répétant la formule dans toutes les circonstances qui se présentent peu à peu, tu verras que seules les choses que tu désires se produiront pour toi. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez, a dit Jésus. Cet instrument formidable, le pouvoir du décret, nous est présenté dans cette extraordinaire histoire de la création que l'on trouve dans les deux premiers chapitres de la Genèse dans la Bible. Je suggère que tu prennes maintenant le temps de lire ce merveilleux récit. Pendant que tu lis, tu te rendras compte que l'homme, ce qui signifie toi et moi, n'a pas été créé pour être une pièce dans le jeu des circonstances, une victime des conditions ou une marionnette manipulée de tous côtés par des pouvoirs hors de son contrôle. Au lieu de cela, nous trouvons que l'homme occupe le pinacle de la création que, loin d'être la chose la plus insignifiante de l'univers, il est, par la nature même des pouvoirs que son Créateur lui a donnés, l'autorité suprême désignée par Dieu pour régir la terre et toutes choses créées. L'homme est doté des mêmes pouvoirs que le Créateur, parce qu'il est fait à son image et à sa ressemblance. L'homme est l'instrument par lequel la sagesse, l'amour, la vie et le pouvoir du Créateur spirituel s'expriment pleinement. Dieu a placé l'homme dans un univers réceptif et obéissant, y compris son corps, ses affaires, son environnement, qui n'a pas d'autre choix que de mettre en œuvre les édits ou décrets de son autorité suprême. Le pouvoir de décréter est absolu chez l'homme le domaine que Dieu lui a donné, irrévocable et bien que la nature fondamentale de l'univers soit bonne selon l'évaluation du Créateur, elle peut n'apparaître à l'homme que comme il l'a décrété nous voyons que tant que l'homme était obéissant à son Créateur, conservant ainsi son pouvoir de penser et de décréter conformément à l'esprit du bien qui est la structure de la création, il vivait dans un univers de bien, un jardin d'Éden. Mais lorsque l'homme est tombé en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et a choisi de baser sa pensée et d'utiliser ses pouvoirs dans le bien et le mal, ce qu'il pouvait faire en tant qu'agent libre, il a immédiatement trouvé la sueur et les chardons mélangés à son pain quotidien. Depuis la chute, l'homme n'a cessé de déclarer son monde bon ou mauvais, et ses expériences ont été en accord avec ses décrets. Cela montre clairement comment l'univers répond et à quel point le domaine et l'autorité de l'homme sont complets et étendus. Chapitre 6 Amour il ne te reste que ce chapitre pour connaître pleinement le premier principe de la création, le principe du mentalisme dont la devise est tout est esprit. Jésus-Christ a dit, et je cite: Vous êtes des dieux. Évangile de Jean chapitre 10 verset 34. Tout comme la création qui a été une pensée manifestée, l'homme qui est un Dieu en puissance, créé par la pensée tout ce qu'il voit manifester à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Tu as déjà appris cela. Tu as également appris la mécanique de cette création mentale. Le caractère, positif ou négatif, de ce qui est créé. La force, foi ou peur, qui détermine le caractère. La manière de changer l'aspect extérieur de ce que tu as créé en niant et en affirmant le pouvoir de la parole, qui est la pensée exprimée et qui confirme donc les ordres que tu as donnés par tes pensées et enfin la formule infaillible pour créer, manifester et obtenir le meilleur, le plus élevé, le parfait. Connaître la vérité en respectant l'ordonnance du Maître Jésus. Tu sais que cette vérité est que nous avons été créés parfaits par un créateur parfait, avec sa propre essence parfaite, avec le libre arbitre pour créer de manière positive ou négative. Donc le mal n'est pas une création de Dieu. Il n'a aucun pouvoir face à la vérité. Il disparaît en remplaçant la pensée et la parole par du positif. Jésus a dit Ne résistez pas au mal, saint Matthieu, chapitre 5, verset 39, c'est-à-dire. Que nous dominions le mal par le bien. La seule vérité est le bien. Désormais, tu ne pourras plus jamais blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui t'arrive. Tu devras te regarder en face et te demander Quel était mon climat mental dans ces circonstances Était-il positif ou négatif Ai-je ressenti de la foi ou de la peur Quel type de décret ai-je lancé avec mes mots Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu devras être sincère et répondre à la vérité. Es tu satisfait de ce que tu vois, ou cela te déplaît il? C'est à toi de le dire. Maintenant, en métaphysique chrétienne, nous disons que Dieu a sept aspects l'amour, vérité, la vie, l'intelligence, l'âme, esprit et principe. Comme tu le remarques, tous ces aspects sont des états invisibles, des états mentaux nous ne pouvons pas les voir ni les toucher. Nous ressentons et apprécions leurs effets ils existent, agissent, sont réels, sont des choses, et aucun ne peut être nié. L'amour est le nom du caractère de Dieu, le premier aspect de Dieu, la force la plus puissante de toutes et la plus sensible. Peu de gens savent vraiment ce qu'est l'amour. La plupart croient que c'est ce que l'on ressent vers les parents, les enfants, les conjoints, etc. L'affection, la tendresse, l'attraction, l'antipathie et la haine sont tous différents degrés d'une même chose, le sentiment. L'amour est très complexe et ne peut être défini par un seul mot. Mais puisque sur notre planète on comprend par amour le sentiment, et même si ce n'est que, pour ainsi dire, le bord extérieur de l'amour, essayons d'approcher autant que possible ce sentiment de l'amour pour commencer à le comprendre. Le point central dans l'échelle allant de la haine au sentiment que nous appelons amour, c'est la tolérance et la bonne volonté. Cela semble être une contradiction mais lorsque l'on aime beaucoup, voire trop, il manque de la tolérance et de la bonne volonté. Lorsqu'on haït, il manque de la tolérance et de la bonne volonté. Autrement dit, Tant l'amour excessif que le désamour excessif sont la négation de la tolérance et de la bonne volonté. Jésus dit. Paix aux hommes de bonne volonté. La paix est au centre, l'équilibre parfait, ni trop ni trop peu, en tout. Tous les excès, même l'excès du bien, excès d'argent, d'amour, de charité, de prière, de sacrifice, etc., déséquilibre le poids de la balance. Il penche davantage d'un côté et enlève la paix. Quand la Genèse dit. Vous pouvez manger de tous les fruits du paradis, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela se réfère précisément à cela. Le tronc de l'arbre symbolise le centre, l'équilibre. Les branches partent de ce centre, se détachant dans toutes les directions produisant des fruits. Certains se manifestent bons, d'autres mauvais. Ils symbolisent les extrêmes. Vous verrez donc que le fruit défendu qui a causé tant de troubles dans le monde n'est rien d'autre que les extrêmes, l'excès dans tous les aspects, car Dieu qui a tout créé a déclaré toute son œuvre bonne et ne mentionne le mot mal qu'en référence à l'excès. Une parenthèse pour vous recommander de lire et méditer sur le chapitre 3 de l'Ecclésiaste qui commence par Tout a son temps. Revenons à l'amour. Ces mères qui disent aimer leurs enfants au point de ne pas leur permettre de quitter le nid, de se marier ou d'agir indépendamment d'elles lorsqu'ils sont adultes, n'aiment pas. Elles sont égoïstes et ce qu'elles ressentent, c'est le désir de la possession. De même pour ces fiancées et épouses qui souffrent de tourments de jalousie. Ces types d'amour ne sont rien d'autre qu'un excès de sentiment. Ils dépassent la mesure et s'éloignent donc beaucoup de la tolérance et de la bonne volonté. En général, l'excès de sentiment montre un défaut de développement de l'intelligence. Cela causera sans aucun doute de l'indignation chez les personnes qui se vantent d'être très sentimentales. Personne n'aime qu'un autre lui révèle son manque d'intelligence, mais vous pouvez le vérifier. L'excès d'émotivité, comme tout excès, est mauvais. C'est la preuve qu'il manque quelque chose pour contrebalancer. L'excès de chaleur, par exemple, est équilibré par une quantité égale de froid pour le rendre supportable ou désagréable. L'intelligence est froide, l'émotion est chaude. Une grande capacité émotive est une qualité magnifique et très souhaitable, à condition qu'elle soit équilibrée par une capacité intellectuelle équivalente. C'est ce qui produit les grands artistes mais l'artiste a son art dans lequel il peut verser toute sa puissance émotionnelle. En revanche, la personne excessivement émotive et peu développée intellectuellement, verse toute sa passion sur les êtres humains qui l'entourent, essayant de les attacher et de satisfaire ses désirs. Le remède contre l'excès d'émotivité est de beaucoup penser et réfléchir, surtout de méditer un moment chaque jour sur l'intelligence. Vous pouvez le faire en commençant par vous demander Qu'est ce que l'intelligence? en pensant ensuite que tout dans l'univers contient de l'intelligence, les plantes, les animaux, etc, et en finissant par affirmer Je suis intelligent avec l'intelligence même de Dieu, puisque je suis créé de l'essence même du Créateur, par l'intelligence avec intelligence et de l'intelligence de Dieu. Après quelques jours à répéter ce traitement, vous remarquerez déjà un changement dans l'élasticité et la pénétration mentale et avec seulement une semaine d'exercice, vous observerez une transformation dans la façon d'aimer les autres, une sérénité et une générosité particulières que vous n'auriez jamais cru pouvoir exprimer. Au même moment, on remarque un changement total chez les autres, envers soi même. Cela est dû au fait que nous sommes des individus, c'est-à-dire indivisibles, et ce qui affecte l'un affecte tous. Le pas que tu franchis aide tous les êtres humains. Nous allons maintenant aborder le sujet de l'ennemi numéro un de toute l'humanité le ressentiment et la rancune, pour ne pas dire la haine. Il n'y a presque aucun être humain qui soit exempt de ce sentiment, sans savoir que cela amertume toute la vie, influe négativement sur toute manifestation, et est la cause de toutes les déceptions que nous subissons. Même lorsque l'on apprend à nier et à affirmer, à connaître la vérité, à surveiller et à corriger nos pensées et nos paroles. Un seul ressentiment, une rancœur gravée dans le subconscient et dans l'âme, agissent comme une petite source de glace émettant sa goutte d'amertume, teintant tout et contredisant de manière surprenante nos plus grands désirs. Rien, pas même la démonstration la plus parfaite, ne peut perdurer tant que ce foyer infectueux continue de ruiner notre propre être. La Bible, les églises, les religions ne cessent de prôner le pardon et l'amour envers les ennemis. Et tout est vain tant qu'elles n'enseignent pas la façon pratique de nous imposer le pardon envers ceux qui nous blessent. On entend souvent dire je pardonne mais je ne peux pas oublier. Mensonge. Tant qu'on se souvient d'un préjudice, on ne l'a pas pardonné. Nous allons donner la formule infaillible pour pardonner et oublier en même temps, pour notre propre bien, car cela nous place au centre de l'équilibre, celui de la tolérance et de la bonne volonté, et cet effort est amour. Saint Jean, l'apôtre de l'amour, dit L'amour est l'accomplissement de la loi. Accomplir la loi de l'amour, c'est accomplir toutes les lois c'est être avec Dieu, en Dieu, c'est être heureux, satisfait, complet dans toutes nos manifestations. Mon maître disait L'homme qui aime bien est l'homme le plus puissant du monde. Et voici la recette pour bien aimer. Chaque fois que tu ressens quelque chose de désagréable envers un autre, ou que tu te sens blessé par quelque chose qu'on t'a fait, ou que tu reconnais un toi un véritable ressentiment ou un désir de vengeance prend délibérément le temps de te rappeler ce n'est pas essayer d'oublier qui s'est passé maintenant c'est te rappeler tout le bon qu'il y a dans cette personne essaie de revivre les moments agréables que tu as passés en sa compagnie dans le passé avant le moment où elle t'a blessé insiste pour te souvenir du bien de ses bonnes qualités de ce que tu pensais d'elle si tu réussis à rire d'une blague qu'elle t'a dit ou de quelque chose de drôle que vous avez apprécié ensemble, le miracle est accompli. Si un seul traitement ne suffit pas, répète le autant de fois que nécessaire pour effacer la rancœur ou le ressentiment. Il est dans ton intérêt de le faire, jusqu'à soixante dix fois sept. C'est là l'accomplissement de la loi donnée par Jésus. Ne résistez pas au mal. C'est tendre l'autre joue, c'est aimer ses ennemis bénir ceux qui nous maudissent, faire du bien à ceux qui nous haïssent, et prier pour ceux qui nous outragent et nous persécutent, tout cela sans nous exposer à être piétinés. Si tu le fais sincèrement, tu vas te rendre compte de quelque chose de très étrange, à savoir que tu te sentiras libéré. Tout d'abord, puis qu'une montagne de petits tracas qui t'arrivaient, et que tu ne savais pas à quoi les attribuer, disparaîtront comme par enchantement, et ta vie suivra un cours harmonieux, de plus, tu seras aimé de tout le monde, même par ceux qui ne t'ont pas aimé auparavant. Dernière partie, décret et affirmation ou la technique des traitements métaphysiques. Ce qui suit est pour que vous appreniez à formuler vos phrases, ce que nous appelons en métaphysique des traitements. Comme nous pensons et décrétons toute la journée, nous prions toute la journée, de manière négative ou positive, et créons nos propres conditions, états. Et événements. L'important est de maintenir le sentiment exprimé dans la prière. Si après avoir affirmé, vous laissez le retour au pôle négatif, vous détruisez l'effet de la prière. Faites attention à vos pensées. Faites attention à vos mots. Ne vous laissez pas entraîner par ce que disent les autres. Rappelez-vous qu'ils ignorent ce que vous connaissez déjà. Ce que vous pensez et demandez pour vous, pensez-le aussi pour les autres. Nous sommes tous un en esprit, et c'est la forme la plus efficace de donner. Mieux que le pain et l'aumône, puisque le pain et l'aumône ne durent que quelques instants, tandis que la vérité reste avec l'autre pour toujours. Tôt ou tard, votre don spirituel entrera dans l'esprit conscient, et vous aurez accompli une œuvre de salut pour un frère. Le principe du rythme, qui est la loi du pendule, du boomerang, vous rend le bien que vous faites comme aussi le mal que vous faites. On a dit que un avec Dieu est la majorité. Ainsi une seule personne qui élève sa conscience au plan spirituel et reconnaît la vérité de la manière exprimée ci-dessus est capable de sauver d'une ruine une organisation, sauver d'une crise une communauté, une ville ou une nation car elle agit sur le plan spirituel qui est la vérité et celle ci domine tous les plans inférieurs. Connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Face à une maladie propre ou d'autrui, dites Je n'accepte pas cette apparence ni pour moi ni pour personne. Je suis la vie en toi, en moi, dans le monde entier. Merci Père de m'avoir entendu. Répétez cette affirmation chaque fois que le cas qui vous a obligé à l'exprimer vous vient à l'esprit. En cas de peur, je n'accepte pas la peur. Dieu est amour. Je suis son enfant, je suis amour. Fait d'amour par amour. Merci Père de m'avoir entendu. En cas de tristesse, propre ou d'autrui, dites. Je n'accepte pas cela. Je suis la joie, je suis le bonheur. Commencez à énumérer tout ce que vous avez de bon. Merci Père. Face à toute manifestation de pénurie, dites. Je n'accepte pas cette apparence. Mon monde contient absolument tout. Je suis l'abondance de tout. Merci, Père, que tout est payé aujourd'hui. Face à tout ce qui contredit la paix mondiale ou particulière, dites. Je n'accepte pas cette apparence de conflit. Je suis la paix, l'harmonie, l'ordre. Nous sommes tous un. Pardonne leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pardonne et je me pardonne. Merci Père de m'avoir entendu et de m'entendre toujours. Métaphysique des dix commandements. Nous insérons ici seulement deux, le cinquième et le sixième. Parmi les lois dites de Dieu que vous étudierez dès que vous vous sentirez prêt à les apprendre, il y en a une appelée la loi de correspondance. Elle n'a rien à voir avec les lettres ou le courrier. La correspondance signifie dans ce cas ce qui correspond à autre chose, c'est-à-dire identique à, ou ce qui est la même chose. Me suis je bien expliqué? Cette loi ordonne que les conditions de chaque plan, ou chaque état de conscience, se retrouvent répétées sur tous les plans, partout. Par exemple, nous voulons toujours savoir à quoi ressemblent les caractéristiques de l'au delà, disons. Cet au delà se réfère toujours au plan supérieur à la Terre ou au plan inférieur à la Terre. Le slogan de cette loi est. Comme en haut, ainsi en bas, et comme en bas, ainsi en haut. Cela signifie que tout comme sur Terre nous avons des gouvernements, des écoles, des enseignants, des problèmes et des façons de le résoudre, il y a des mains, des pieds, des oreilles, des yeux, des sons, du temps, de l'espace, des fleurs et des fruits. Tu vois ce que je veux dire. Sur chaque plan, sur tous les plans, il y a tout cela, bien que ces autres plans soient invisibles à nos yeux terrestres. La seule différence réside dans le fait que, à mesure que l'on monte en plan, les mêmes conditions deviennent moins denses, plus vastes, disons plus pures, plus belles, plus intéressantes mais plus compliquées parce que sur chaque plan supérieur, il y a une dimension de plus que sur le précédent. Cela ne signifie pas que vivre sur un nouveau plan sera difficile après avoir quitté l'ancien, non. Pour la simple raison qu'il n'est pas plus difficile pour un enfant de marcher seul après avoir appris qu'il ne lui arrivera rien de mal quand il lâchera la main. Revenons à l'essentiel. Le cinquième commandement sur terre dit. Tu ne tueras point. Cela nous enseigne que nous ne devons pas tuer. On ne doit pas, c'est mal. Mais pourquoi est-ce mal Personne ne te le dit vraiment. Tu ne dois simplement pas tuer. Passons au plan suivant. Là, la même loi existe, mais elle dit Tu ne tueras point même si tu essaies. Non seulement tu n'y parviendras pas, mais comme l'instrument ne trouve rien à tuer, il retourne d'où il est venu. Tu l'as lancé, il te blesse ou te frappe. Cela ne te plaît pas et ne te convient pas. Tu ne vas pas réessayer. Tu as appris à ne pas tuer. Maintenant, pour l'instant, étudions le sixième commandement. Tu ne voleras point. Il suit le même principe. Sur terre, on nous enseigne que voler est mal. C'est mal. Mais le sujet n'est pas suffisamment éclairci. Et sur le plan suivant, le commandement dit Tu ne peux pas voler ce qui ne t'appartient pas. Ne le tente même pas, tu ne pourras pas. Tu peux te procurer un objet similaire, mais jamais le même. Celui ci ne restera pas avec toi et retournera à son propriétaire légitime. Sur terre, ces commandements semblaient être des interdictions sur le plan suivant, ils se révèlent comme des conditions, des lois, des principes. Ils ne peuvent pas être enfreints. Quelle joie. Personne ne peut te tuer ou te voler. Tu ne peux pas tuer quoi ou qui que ce soit, tu ne peux pas t'approprier ce qui ne t'appartient pas, et personne ne peut s'approprier ce qui t'appartient. Mais ce n'est pas la seule joie. Remarque bien. Quand sur Terre tu es incapable de tuer ou de voler, tu es prêt à apprendre les conditions de l'autre plan, ce que l'on appelle la conscience. Cela signifie que lorsque tu as appris la première leçon, tu passes à apprendre la deuxième, n'est ce pas? Bien. Mais la grande joie est lorsque tu apprends la deuxième. Il n'est pas nécessaire que tu sois mort et que tu sois sur l'autre plan. Non. Tu es bien vivant et actif ici sur terre. Tu appliques la deuxième leçon et tu es étonné de voir que cette loi fonctionne de la même manière ici sur terre que dans le ciel, entre guillemets. C'est-à-dire que quand tu sais que la vérité est que personne ne peut tuer et que personne ne peut voler, personne ne te tuera ni pourra te voler personne ne peut emmener ta voiture de ta porte même si tu la laisses le contact allumé personne ne peut te voler ton sac à main entrer chez toi la nuit ou te faire payer plus que nécessaire rien rien d'autre que l'honnêteté ne peut arriver ce qui est à toi est à toi et à personne d'autre je vais t'expliquer en quelques paragraphes pourquoi il n'est pas possible de tuer pourquoi ne peut-on pas tuer parce que la vie est, pré est précisément cela, la vie. Ce n'est pas la mort. La vie ne peut pas mourir. Ce serait un non-sens. La vie est éternellement vie et ne peut jamais être morte. Alors tu diras, Qu'en est-il de moi? Ne vais-je mourir jamais puisque je suis vivant? Exactement. Tu es dans l'éternité. Personne ne peut te prendre ta vie. Ta vie est Dieu. Qui enlève la vie de Dieu? C'est pourquoi tu ne peux pas non plus tuer quelqu'un. Il continue de vivre plus vivant que jamais dans le prochain plan, tout comme toi. Mais maintenant tu sais ce que ce que tu fais sur terre te revient aussi. Pourquoi Par la loi de correspondance. Parce que tout dans un plan a sa correspondance dans les autres, dans tous les autres. Cette loi dit. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent. Tu connais maintenant la raison. Si tu n'as pas encore appris à obéir à cette loi, commence à observer comment tout ce que tu fais aux autres te revient, pour le mal ou pour le bien. Maintenant, pourquoi ne peut on pas voler? Qu'est-ce qui fait fonctionner cette loi? Tout d'abord, tu sauras que tu es arrivé à une impasse si tu n'as pas encore accepté la loi de la réincarnation. En métaphysique, on dit Ce que tu ne peux pas accepter, laisse le passer, mais continue de lire. Si l'idée ne te plaît pas, ne réincarne pas, mais tu n'avanceras pas non plus. Tu resteras bloqué pour la même raison que celui qui refuse d'accepter que le soleil se lèvera demain devra se cacher dans un placard chaque matin et y rester enfermé pendant toutes les heures ensoleillées, tous les jours. La loi de l'évolution est une éternelle expérimentation et dépassement. Comme nous l'avons déjà évoqué avec l'enfant qui apprend à marcher et qui n'a pas à craindre, car il apprend simplement à se lâcher. Tu le sais, ça, que tout évolue d'une chose à une autre comme l'enfant qui devient un enfant, comme l'enfant qui devient un poussin, comme le poussin qui devient adulte, puis vieux, et ensuite laisse ici sa vieille coquille et va en chercher une nouvelle dans l'au-delà. Lorsqu'un être meurt, il se trouve au milieu de circonstances nouvelles dans l'au delà mais il n'a rien perdu de ce qu'il a de valeur, comme l'ouïe, la vue, le sentiment, la volonté, le libre arbitre, la faculté de se déplacer, de communiquer avec les autres, son identité, son moi. Au contraire, comme il y a là une dimension de plus, on voit plus, on entend plus, on ressent plus, on comprend plus, etc. En d'autres termes, rien de ce qui est acquis ne peut être perdu. On s'adapte simplement aux nouvelles conditions du plan. Cela signifie que dans chaque plan, de nouvelles et meilleures compétences et connaissances sont acquises dans chaque vie incarnée, de nouvelles expériences sont gagnées et on apprend à utiliser de nouveaux objets et instruments qui, bien que matériels ici sur Terre, ont leur correspondance dans les autres plans invisibles. Alors quel serait l'avantage d'être un musicien accompli dans le monde et de ne pas pouvoir l'exprimer dans le prochain plan Et tu es arrivé à la grande explication Ce que tu acquiers, tu le sais déjà Les instruments que tu as dû utiliser, apprendre à utiliser comme des couverts, un lit, une allumette, etc., dans chaque plan ont leur correspondance, n'oubliez pas. Et ceci parce qu'ils sont à toi déjà par droit de conscience, disons en métaphysique apparaissent automatiquement dans ta vie ou tes vies l'un après l'autre car tu ne peux pas naître dans une famille qui n'a pas les moyens de te fournir ce qui t'appartient par droit de conscience. Il arrive souvent qu'un enfant naisse dans une famille dépourvue de ce qu'il possède par droit, et il s'avère que bientôt la famille acquiert cela comme par grande coïncidence. C'est pourquoi on ne peut pas te voler ce qui t'appartient. Et tu ne peux pas t'approprier ce que tu n'as pas gagné ou dépassé dans une autre vie antérieure. C'est pourquoi le grand bonheur est que, en connaissant cette loi et ses conditions, la loi fonctionne dans ce plan terrestre et dans tous les plans. Par conséquent, tu peux déjà être tranquille. Personne ne peut te causer de perte, te prendre quoi que ce soit, même pas ton mari ou ta femme, si tu n'as rien fait à un autre. Que peux-tu craindre Et si tu l'as déjà pris dans cette vie, c'est que tu en as le droit de conscience. Ainsi, la façon de vivre heureux est d'apprendre la métaphysique des dix commandements. Avec ce petit cadeau que je vous fais, vous aurez mis un pied sur le premier échelon du bonheur. Je ne me lasserai pas de te recommander de lire ce livret constamment. Ne le mets pas dans le tiroir porte le dans ta poche ou ton sac à main. Relis le si tu peux tous les jours essaie de le pratiquer, de te rappeler ses instructions, et lorsque tu considères qu'il est temps que tu acquières une instruction supérieure, assiste à nos conférences et obtiens les livres suivants. Ça ne te coûtera rien, tu ne paieras que pour les livres que tu veux acquérir, car il faut les vendre pour pouvoir les reproduire. Reçois tout notre amour, que la lumière de ta bien-aimée présence je suis t'enveloppe, te remplisse, t'illumine, te guide et t'accompagne.